Bonjour à tous. Après avoir coupé les bords autour du flotteur, si il reste encore bloqué, on le démonte à l'aide en dévissant ceci et cela. Vous sortez la tige de ce côté et... Donc pour faire en sorte que le flotteur remonte mieux, j'ai inséré des morceaux de polystyrène à l'intérieur du flotteur. Comme ceci, en prenant soin à ce qu'il se bloque à l'intérieur. Voilà. Donc je l'ai rempli de polystyrène afin qu'il remonte plus facilement que s'il n'y avait que de l'air à l'intérieur. Merci à tous pour votre visionnage et à bientôt sur une prochaine vidéo.